Donc, en 17, j'étais toujours attitré au cours de latin à Palisol. Ça ne me dérangeait pas d'aller jusque-là. Ainsi, je pouvais avoir d'autres échos. Je n'avais pas vraiment eu de problème avec ceux que j'appelais encore les « casques à pointe ». Mais jamais leur venue n'avait été de bon augure. Par exemple, 15 avril 1917. Alors que je suis sur la route vers Palisol, juste avant d'entrer dans le village, j'aperçois une patrouille allemande. Dès lors, je vais prévenir le directeur d'une possible intrusion de l'occupant. Après un rapide tour des classes pour cacher les drapeaux belges, la patrouille pénètre dans l'école afin de réclamer des métaux. Ainsi, une bonne partie de la quincaillerie de l'établissement disparaît dans de grands sacs. Je déplore le manque de clenches aux portes d'une école pour en faire des instruments de guerre.